Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ici à Aldi de Rion. Je vous emmène faire un petit tour, mais avant je voulais partager avec vous une petite promo. Donc c'est une friteuse que je vous ai partagée il y a vraiment quelques mois, voire même peut-être un an, hein, je crois bien. Et franchement, pour vous dire, j'ai eu le temps de la tester, elle fonctionne super bien, elle est très très bien. Elle est actuellement en promotion et je voulais tout simplement vous partager cette promo. Donc c'est une air fryer. Je vous laisse regarder un petit extrait. Si vous n'êtes pas intéressé, je vous laisse avancer et je vous mets donc le lien en barre d'information. Je continue ici avec la présentation de cette friteuse à air pulsé. Donc celle-ci, elle provient de la marque Proscenic. Vous voyez, on a donc un grand bac de 5 litres de contenance. Il y a également un petit livret donc de recettes inclus à l'intérieur avec plein de recettes. Je vous montrerai ça juste après. Vous pouvez le connecter à votre smartphone pour pouvoir bénéficier donc de recettes également, ou bien avoir tout simplement le suivi de votre cuisson. Donc là pour les degrés, vous avez donc la plage de température va de 75 à 205 degrés max, et pour la plage de temps, ça de 1 minute à 60 minutes. Donc pour sa puissance, c'est 1500 watts. Je vous montre ici, donc il y a un petit livret de recettes avec pas mal de recettes à l'intérieur. On retrouve du sucré, du salé, avec vraiment de bonnes petites recettes. Le seul inconvénient, c'est que le livret, les recettes sont en anglais. Mais bon, on peut toujours traduire et comprendre aussi les recettes. Ça, c'est le top. Alors ici sur le dessus, on va retrouver donc les boutons tactiles, voyez, et on a déjà des programmes pré-réglés. Donc ça c'est bien, vous voyez différents boutons. Donc là par exemple, si vous souhaitez toaster un petit peu vos pains, voilà, des pains, des tartines, etc. On a ici pour par exemple les légumes, le poisson, le poulet, pizza, etc. Et ici on peut donc rajouter, donc lorsque vous appuyez sur un bouton par exemple pour gâteau, ça vous met 150 degrés, 30 minutes. Après vous pouvez très bien rajouter donc des minutes ou des degrés ou en enlever, c'est comme vous le souhaitez. Donc là on a quand même le choix de pouvoir modifier si on le souhaite. Donc là aujourd'hui je teste des petits croissants feuilletés, donc là c'est une pâte feuilletée, je vais faire des mini croissants sucré, donc avec de la cannelle et du sucre en poudre. Donc je viens saupoudrer de sucre en poudre partout, je viens rajouter aussi de la cannelle et je viens couper tout ça donc en petits triangles. Puis vous allez voir de toute façon en image. Je viens mettre donc un petit peu de jaune d'œuf avec un petit peu de lait sur le dessus et j'enfourne ça à 180 degrés, quelques minutes, entre 15 et 30 minutes. Donc je surveille bien la cuisson et je retourne à mi-cuisson. Donc là je continue avec une deuxième préparation. Donc j'ai préparé, j'ai fait une recette facile hein, de gâteau. Voilà, je pensais avoir filmé mais ça ne filmait pas malheureusement. Donc du coup j'ai fait deux petits moules, vous voyez c'est la taille de deux moules de 15 cm environ de diamètre, ou peut-être 12 je pense. Il y en a deux qui rentrent à l'intérieur. Donc j'ai mis ces deux, j'ai mis des pépites de chocolat sur le dessus, voilà, et je vais enfourner ça 30 minutes à 150 degrés. Donc c'est eux qui me proposent directement, donc moi je clique bien sur le bouton, voilà, où il y a le petit gâteau, et puis ça met directement 150 minutes, 30 minutes. Je viens quand même surveiller la cuisson de temps en temps, et vous allez voir franchement le résultat est spectaculaire. J'ai rien à dire, ça fonctionne. Le gâteau était bien moelleux, bien gonflé, bien cuit, que ce soit sur le dessus ou bien même en dessous, vous verrez bien. Franchement je suis ravie du résultat. Vous pouvez également donc faire plein de recettes, hein, que ce soit sucré, salé. Moi je fais souvent des pulons de poulet. Franchement la cuisson elle est parfaite. C'est bien grillé, donc il faut bien les retourner de temps en temps. J'ai rien à dire. Ou bien des petites brochettes de poulet, de crevettes, de viande hachée. Ça cuit vraiment très très bien.
Donc là, vous voyez, en vidéo, je teste pour voir si la cuisson est bien. Donc là, le couteau ressort tout propre, donc j'ai rien à dire sur la cuisson. J'attends que ça refroidisse un petit peu sur des grilles. Et ensuite, je vous montre le résultat. Franchement, j'ai adoré les petits moules en miniature comme ça. C'est vraiment tout mignon. Donc on obtient franchement un gâteau super moelleux. Super moelleux, comme vous pouvez le voir en vidéo. La cuisson, elle est top, top, top. Vous allez voir, ça, le dessus est bien cuit, l'intérieur et même en dessous. Allez, je continue ici avec une petite recette. Je vous montre aussi donc des recettes salées. Je viens ici donc griller des poivrons. Je viens mettre tout simplement un petit peu d'huile, mais c'est facultatif. Et puis vous allez voir qu'en quelques minutes, je vais avoir donc des poivrons grillés sans odeur, sans de fumée, etc. Et je vais accompagner ça donc avec des boulettes de viande hachée. Donc j'ai pris de la viande hachée que j'ai épicée. Voilà, je vous laisse regarder ça en image. Voici le résultat des poivrons bien grillés. Voilà le résultat du coup de ma viande hachée. Je vous mets le lien donc de la friteuse, elle est actuellement en promotion. Je vous le mets en barre d'informations et on se retrouve à Aldi. Juste pour information, nous sommes le mardi 14 février 2023. Je vais vous montrer donc là les bons plans, ce qu'on retrouve côté alimentaire, produits d'hygiène, etc. Donc là, on a des pépites de caramel. Ça a l'air d'être vraiment gourmand. Il y a 100 grammes à 2,99€. Donc là, c'est une préparation pour macarons. Donc pour 6 macarons, il faut rajouter 20 ml d'eau. Voilà, 2,49€. Il y a 100 grammes. Des petites vermicelles, 1,22€. Vahinet. Des biscuits spéculoos ici sont à 2,89€. Il y a 1 kg. Collier de bonbons 115 grammes 1,99€. On a ici du sucre glace 500 grammes. Il y a même une petite recette derrière à 1,39€ pardon. Soit le kilo à 2,78€. Des chouchous arachides sucrés 2,15€. Il y a 500 grammes les amis, soit le kilo à 4,30€. Des sucettes carambars, il y a deux sucettes offertes, donc à 180 grammes, 2,19€. Une petite bonbonnière avec des bonbons à l'intérieur, aux fruits, 4,99€, il y a 966 grammes. Barre de rire, tête brûlée, 2,89€, 350 grammes. Barbe à papa, 1,09€. Là, on a du jus de pomme cerise pétillant, 1,69€. Pot de confiserie ici, 2,99€. Donuts nappés, c'est 6,19€. Un lot de 24. Les Ferrero Rocher, ici, il y en a 30, 7,29€. Les petits bâtonnets saveur tout chocolat, il y en a 2 pour 2,69€. On a les princes comme ça, vendus par 4 à 3,39€. Des biscuits fourrés, ça a l'air d'être bon ça. 336 grammes à 2,29€. Ou encore, regardez-moi ça, ce moelleux aux noisettes, 2,59€. Il y a aussi aux noix. Eh bien, je suis plus attirée par le noir. Gâteau moelleux aux noix.
Coca-Cola, ici on a des canettes 12+2 offertes, originales à 9,75€, ou bien le Coca Zero sans sucre 18+2 à 8,97€. Chips vendus par 6, 1,79€. Olive verte entière, 2,99€. En persillade, il y a 500 grammes. Là, on a le lait demi-écrémé, il y en a 9, à 8,50€. Soit 94 centimes le litre. De l'huile d'olive, 7,19€, 75 centilitres de contenance. Allez, je continue ici avec des tartelettes aux fraises. C'est un lot de 4 à 3,59€. Biscuits Nutella. Il y en a 5, 2,69€. Préparation, donc attends, biscuits pour petit déjeuner, 2,09€. Préparation pour muffins, 3,09€. Et là, on a une préparation pour cœur coulant au chocolat, un fondant au chocolat, quoi. 3,19€. Des dosettes, il y en a 60 ici pour 4,29€ au lieu de 6,50€. Et là, on a des recharges Nescafé, 3,59€ et 170 grammes. De la pâte à tartiner, Tartichoc aux noisettes, c'est un pot qu'en plastique, hein. 750 grammes à 2,79€. On a également les barquettes de Lu à 5,49€. 5,49€ les 6. Le champomis, il est à 2,55€. Nutella, 150 grammes offerts, 4,99€. Donc ça fait un total de 975 grammes. Haricots rouges à la mexicaine, 1,99€, il y a 800 grammes. Ici, on a des curly donuts, vous savez, les petites chips comme ça. Deux paquets à 1,59€. Là, on a du riz basmati à 2,19€ le kilo. Alors là, on a les gaufrettes saveur chocolat noisette vendues par 4 à 5,59€. Et là, on a de l'iced coffee, genre l'ice, au lieu de dire ice tea, c'est ice coffee. Voilà, saveur citron, citron vert à l'extrait de café. 79 centimes, il y a 1 litre. Du nougat aux noisettes à 2,79€. Amandes et pistaches. Et là, on a des poires au sirop, 280 grammes à 1,79€. Des oreillettes à 1,99€, les 200 grammes. Cookies, gros éclats, il y en a 4 pour 3,84€. Beignets au chocolat noisette, il y en a 6, je crois, 2,29€. Ça, c'est nouveau. Trésor Styx, 2€. Cappuccino Nescafé, 2,39€. Là, on a des confiseries au chocolat, variété au choix. Donc là, on a de la menthe, macchiato, caramel. 1,99€. Les petites barres comme ça, Knoppers. Il y en a 5 à 2,35€. Le thon hanté nature, il est à 4,49€ les deux. Il y a aussi des cocktails comme ça, à la méditerranéenne. D'olive, 2,85€ les 500 grammes. Et là, on a des barquettes à la fraise, les 4 à 3,65€. Ensuite, papier toilette ici, 6 maxi rouleaux, plus 2 à 4,05€. Essuie-tout, 5,09€. Il y en a 6 plus 2 offerts, donc il y en a 8 au total. Coca-Cola sans sucre, 10,20€. Il y a 12 litres, donc 6 bouteilles. Orangina, 12 canettes à 5,77€. Je continue par ici avec les tablettes lave-vaisselle. Il y en a 90 pour 6,39€. 45 plus 45 offertes. Lingette désinfectante 1,99€, il y a 50% offert. Lessive liquide textile 1,5 litre à 3,19€. Liquide vaisselle parfumé à 75 centimes, 500 ml. Moi, ce coffret de crème. Crème pour les mains, il y en a 3 à 2,99€. Papier toilette décoré et parfumé, méga format à 5,59€, il y en a 18. Liquide vaisselle, il est à 1,09€, 750 ml. Adoucissant concentré, méga format plus, 3,45€, 1,850 litres, il y a 74 lavages. Lingette anti-décoloration, il y en a 24, à 1,99€. Je vais également vous montrer les fruits et légumes à l'entrée, j'ai oublié de vous le montrer. Promo, on a les tomates 1 kg, 1,79€, origine Espagne. Voilà. Artichaut, 99 centimes pièce. Ou encore la courgette à 2,29€ le kilo. Les mandarines 2,35€ le kilo. Orange sanguine c'est 1,59€ le kilo. Pomelo 1,39€ les 3. Et la mangue à 99 centimes. Et bien voilà mes petites femmes d'amour, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que ce petit tour vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker. Je vous dis donc à très vite. Gros bisous, bye bye.